Alors, je vais dessiner l'œil. Donc, une chose que je vais faire avant de dessiner, c'est aller activer la flèche blanche plus. Pardon, la flèche blanche toute seule, pas la blanche plus. La flèche blanche toute seule, l'outil sélection directe, je l'active avant de commencer à dessiner. Et puis, je prends la plume. Et puis, je vais commencer à dessiner. Alors, regardez, je devais dessiner l'œil ici. Clic. Je peux enfoncer la touche verrouillage majuscule si je veux. Comme ça, j'ai le pointeur précis. Une petite tangente ici, regardez. Je fais une petite tangente comme ça. Et je vais ajuster le tracé en enfonçant la touche contrôle du PC ou commande du Mac. Et la dernière flèche que j'ai utilisée revient. Et c'est la bonne flèche cette fois-ci, parce que quand j'avais fait l'autre tracé, c'était la flèche noire qui arrivait. Et avec la flèche noire, je ne sais pas aller bouger une poignée et bouger un point. Donc voilà l'astuce. Avant d'utiliser la plume, j'ai été temporairement activer la flèche blanche parce que je savais que pendant que je fais le tracé, je vais avoir besoin, en enfonçant la touche contrôle du PC, je vais avoir besoin de la flèche blanche pour aller bouger les poignées et les points. Donc petite tangente, touche contrôle, j'ajuste. Petite tangente, touche contrôle, j'ajuste. Bon, c'est pas obligatoire que ça colle pile poil à l'image en fait, hein. C'est un guide l'image. Voilà. Ben allez-y, faites ça.